premier événement que nous organisons pour l'Euro Shooting Cash en Sologne. La première réussite, c'est le nombre de participants. On est 280. 6 nations représentées, donc bien sûr la majorité de Français, mais pas mal d'Anglais, Espagnols, Italiens, Portugais, Belges. It's been a fantastic event. I know very few grounds that would be able to cope with the weather that we've had this weekend and still put on an event like this. I thought the targets were difficult but fair. Very good targets. Tous les tracés sont géniaux. Bon, la météo est pas très bonne, mais c'est un sport d'extérieur, donc on est quand même content. L'accueil est fantastique. Un stand en lui-même magnifique avec des plateaux très variés. Beaucoup de variété dans les plateaux, énormément de techniques à mettre en place pour arriver à les casser. Écoutez, l'Euro Shooting Cash, on a voulu créer un événement dit unique en France, une première, et on a voulu, je dirais, y rajouter un petit clin d'œil sur notre métier, je dirais, de base, qui reste le jeu, en y allouant un montant financier réparti par série. Dans l'optique qu'un maximum de gens puissent repartir avec quelques euros. Bon, je dirais qu'on est très content du retour du nombre d'inscrits qu'on a eu pour une première édition. Et en tout cas, fier d'avoir créé quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le parcours de chasse ou dans le ball trap.